Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné déjà. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous venons vers le trône de ta grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua. Et nous venons vers toi parce que tu nous as rachetés au prix de ton Fils bien-aimé, au prix du sang de ton Fils bien-aimé. Oui Seigneur, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi, que tu sois dans nos cœurs, dans nos vies. Le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Aide-nous à te faire plaisir, Père très saint. Oui, Seigneur, nous voici devant toi et nous voulons ouvrir largement les portes de nos cœurs afin que ta parole puisse y trouver un terrain favorable, puisse y être plantée profondément. Produire les racines que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père, afin aussi d'être les témoins que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom, dans ce temps qui vient, Seigneur, ce temps prophétique où beaucoup de choses vont être bousculées parce que cela fait partie de ton plan, nous te rendons grâce. Qu'il soit fait selon ta volonté, et nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire: Inéni Seigneur, nous voici, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu nous instruises, que tu nous façonnes, que tu nous montres ce que toi tu attends de nous, ce que nous voulons faire de toi, ce que nous voulons faire pour toi, pour t'être agréable. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bien, nous sommes dans Genèse chapitre 18, donc nous continuons le passage que nous avons vu tout à l'heure. Verset 10-11. L'Éternel établit sa promesse, établit la promesse d'une descendance directe issue d'Abraham et de Sarah, mais aussi d'une descendance spirituelle au travers de Yeshua. Oui, bien sûr. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi. L'un d'entre deux dit: Qui c'est ce l'un d'entre deux? Yeshua. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, c'est le fils de la promesse. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Cela veut dire qu'elle était ménopausée, stérile. OK? Elle avait quel âge, Sarah? 79, 89. Parce que Abraham, il a 99 ans. Il a 10 ans de moins. OK? Est-ce un problème pour Dieu qu'elle devienne enceinte? Non. Il dit à la chose arrive. Amen. C'est merveilleux, hein? On a un papa qui est merveilleux, hein? Et si je vous disais qu'il veut que nous soyons comme lui? Merveilleux, oui. Mais aussi quand nous disons les choses, que les choses arrivent. Amen. OK? Si en fait je suis attaché en fait à Dieu, okay? C'est pour ça qu'en fait Yeshua dit par rapport au psaume: Vous êtes des dieux. Mais pas des dieux à part, non. Des dieux, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu, on va dire, pour être, mais en étant attaché en fait à lui. OK? Donc il faut bien comprendre la pensée en fait hébraïque là. Hein, ce n'est pas du tout cartésien, hein, on est dans la pensée hébraïque. Donc ici, dans Romains chapitre 9, verset 9, il est bien rappelé que Yitzhak est le fils de la promesse. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Le fils de la promesse, de la même manière. Okay? Et nous sommes dans la bénédiction d'Abraham, okay? Non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de la foi d'Abraham. OK? C'est très important, c'est parce que Abraham a été éprouvé, qu'il a marché en fait par la foi, qu'il a reçu une bénédiction extraordinaire, effectivement, et nous sommes au bénéfice de cette grâce en fait aussi aujourd'hui, à cause de l'obéissance et de la soumission d'Abraham. OK? C'est pour ça que dans Genèse 26, il est dit, Genèse 26, c'est en fait Dieu qui parle justement à Yitzhak,
Ok. Et en fait, il dit ceci. Genèse chapitre 26, versets 1 à 5. Écoutez bien. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Yitzhak alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Verset 4, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Verset 5, pourquoi ? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes lois, ici au lieu de mes statuts, et les enseignements de ma Torah. Ici, c'est la première fois où on a le mot Torah, en hébreu. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ici, vous pouvez vérifier, hein, c'est le mot Torah. Au temps d'Abraham, Abraham a obéi à la Torah de Dieu. Mais la Torah, elle a été donnée par écrit quand ? Beaucoup plus tard, sur le mont Sinaï. Mais ici, on a la preuve dans l'écriture en hébreu qu'Abraham était enseigné, en fait, dans les enseignements de la Torah. Le mot Torah, il existe. Parce qu'il a obéi aux enseignements de la Torah, la bénédiction, elle vient. Amen. Et comment a-t-il été enseigné, en fait, dans les enseignements de la Torah ? Malkitsedek, l'ange de l'Éternel, la parole de l'Éternel, etc., qui était toujours là avec lui. Amen. Donc, on voit bien que la bénédiction donnée pleine et entière, en fait, à Abraham, pour, en fait, des générations, en fait, à venir, ok, elle marche parce qu'il a obéi et il s'est soumis à la Torah, aux enseignements de la Torah. Amen. Voilà pourquoi tous les signes que l'on peut voir, ou les prodiges que l'on peut voir, n'ont qu'un seul but, de ramener vers les promesses faites à Abraham, dans ce cadre-là. Si ça va dans ce cadre-là, et que ça produit du bon fruit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre, vous pouvez aller. Amen. Si ça ne va pas dans ce sens-là, attention. Donc, Yitzhak, ici, est le fils de la promesse, oui, bien sûr. Dans Galates, chapitre 4, versets 28 à 31, il est dit, Paul dit aux Galates, « De même, tous les croyants en Yeshua sont comme Yitzhak, Isaac, des enfants de la promesse. » Ok ? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, que je sois juif ou non juif, ok, lorsque je viens sur les racines, en réalité, quelque part, je suis au bénéfice de la grâce, de la promesse qui était faite à Abraham. Ok, inévitablement, en fin de compte, parce que je suis dans l'obéissance et la soumission à Dieu, au plan, en fin de compte, de Dieu. Romains, chapitre 9, versets 6 à 8. « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Bien sûr, donc vous comprenez cette dimension-là. Il faut que l'on marche par la foi. Et ça, c'est valable pour le juif et le non-juif. Donc, ce n'est pas parce qu'on est circoncis physiquement, ok, je m'appelle peut-être juif, etc., mais je ne suis vraiment que circoncis que si je le suis de cœur. Comme Abraham. Ok. Genèse 22, versets 10 à 14. Très intéressant. Le sacrifice de Yitzhak. Donc ici, il a quel âge ? On a vu tout à l'heure. C'est un jeune homme, hein ? Ce n'est pas le gamin de 10 ans ou 12 ans qu'on voit dans les films, hein ? Non, pas du tout. Donc, 37 ans. Puis Abraham, donc ça veut dire qu'il était d'accord. Il était d'accord avec son père et il comprenait la dimension spirituelle. Parce que Paul va nous dire, en fait, je crois que c'est dans Hébreu, ok, Abraham et Yitzhak croyaient en la résurrection. D'accord ? Donc, ils n'avaient pas de problème pour s'offrir. Leur foi était tirée à un niveau tel qu'à partir du moment où ils savaient que Dieu leur demandait ça, comme c'est le Dieu Tout-Puissant pour donner la vie, ils croyaient
en le Dieu de la vie, dans le Dieu de la résurrection. C'est pour ça quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Jacob, cela doit faire automatiquement induire, ah oui, mais c'est le Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu qui donne la résurrection, etc. Ok, qui est tout puissant pour ça. Amen. Donc, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel, en rouge ici, l'appela des cieux. Qui c'est cet ange? C'est Yeshua. Alors là, c'est bien Malar Adonai, on va voir. Hein? Okay? Mais plus loin, en fait, on va bien voir que, bien sûr, cela confirme, c'est bien Yeshua. Ici, tous les anges de l'Éternel ne sont pas, en fait, Yeshua, hein? On est bien d'accord. Mais ici, c'est le cas. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Avraham, Avraham !» Et il répondit, « Me voici. » Donc, il ne met pas longtemps, en fin de compte, à appeler, en fait, et lui, en fait, à répondre. Hein? Il a l'habitude. Il connaît la voix. Hein? C'est pour ça, quand on a commencé à être expérimenté, tout ça, on reçoit quelque chose dans la tête, etc., une pensée, on sait la plupart du temps dire, « Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. » Okay? Ça, c'est un apprentissage. Okay? Ça s'apprend au travers des épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves. C'est fait pour ça les épreuves. Hein? Ce n'est pas pour nous martyriser et tout. C'est pour tirer notre foi vers le haut et nous apprendre à marcher avec Dieu, à être attaché en fait à Dieu. Ah, ce n'est pas facile à vivre, mais c'est du travail que Dieu permet. Okay? Il nous fait passer. Il nous aime tellement qu'il nous met dans les épreuves. Vous voyez, ce n'est pas merveilleux ça? Pourquoi? Mais c'est pour tirer notre foi vers le haut. C'est pour de notre nature charnelle, terrestre, etc., gouvernée parfois par notre âme, et bien dans sa bonté, il dit, ah, celui-là, il ne faut pas que je le laisse là, ou que je la laisse là. Je vais la mettre dans le bain de l'épreuve. Et on va travailler ça, pour qu'il soit attaché. Amen. Eh oui, Dieu, il est bon derrière ça, c'est la bonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui va s'arriver, en fait, après. Hein? OK. L'ange de l'Éternel ici, c'est Yeshua. Nous allons avoir confirmation quelques versets plus loin, oui, bien sûr. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, Elohim, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il ne dit pas ici, que tu ne lui as pas refusé, que tu ne m'as pas refusé. Donc, cet ange de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui. Ok, Yarid, en fait, ici, donc ici, ça veut dire un, ton unique, un seul. Et ici, en fait, ici, on souligne donc que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Au lieu de, tu ne lui as pas refusé ton fils. Donc, en fait, ici, cet ange de l'Éternel, il a bien, en fait, une dimension, en fait, tout à fait particulière par rapport à Dieu, pour parler au nom de Dieu. OK? Donc, vous voyez, un petit mot, en fait, ici, ça nous indique, ah, attention, OK, bon. Donc là, ce n'est pas n'importe quel ange. On va le voir aussi après. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, par des cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Okay. Dans les textes en hébreu, le M apostrophe, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est moi. Abraham donna à ce nom le lieu, donna à ce lieu le nom de Yahvé Yireh. Donc, ça veut dire l'Éternel a pourvu. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En fait, ici, ce bout de phrase, en fait, ici, ce bout de verset a une dimension prophétique. Ici, de la même manière, en fait, ici, que le sacrifice est pourvu, il donne, en fait, un bélier à la place. Okay? De même, en fait, ici, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cela confirme, en fait, ici, qu'il y a bien un sacrifice, en fait, à venir. Le sacrifice de Yitzhak est une préfiguration de ce qui va venir et une préfiguration exacte de ce qui va venir. OK? Yitzhak, il a 37 ans. Yeshua, quand il meurt, il a 37 ans.
Ok? Bien. C'est parce que c'est la perfection. Avec Dieu, on travaille dans la perfection. Ok? Donc, il faut comprendre ça. Donc, il faut essayer de recaler ce qui ne va pas dans les enseignements qu'on a. L'Éternel Yahvé irait. Yirée, l'Éternel pourvoira, est une prophétie. Yohanan Amadbil, c'est-à-dire Jean le Baptiste, annonce l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui pourvoit en vue de réaliser la promesse faite à Abraham. Jean chapitre 1, versets 29 et 36. Okay, donc ça, c'est bien en fait une vue prophétique. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et le sacrifice, c'est l'agneau, bien sûr, qui sera donné. Ok. Genèse 22, 15 à 18, on continue en fait dans ce passage parce que, en fait, ici, on va avoir confirmation, bien sûr, que cet ange, c'est pas n'importe quel ange, bien sûr, c'est Yeshua. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Ange de l'Éternel, ici, c'est Yeshua. Ouais. Et il dit, je le jure par moi-même. Qui peut se permettre de jurer par lui-même? Okay. Et ici, en fait, il dit son nom. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole qui vient de l'Éternel. C'est, en fait, je m'appelle parole de l'Éternel. Ici, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc ici, je passe les versets. Il dit, je le jure par moi-même. Donc ici, très important, comment peut-il jurer par lui-même s'il n'a pas l'autorité, en fait, s'il n'est pas l'image, en fait, même du Père, en fait, ici. Okay. Comment peut-il jurer par lui-même s'il n'est pas Dieu lui-même? Bien sûr. Par moi-même, parole de l'Éternel, évidemment. Parole de l'Éternel, c'est Yeshua. Donc il va dire, parce que tu as marché comme cela, tu as marché par la foi jusqu'à l'extrémité, en fait, ici, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Ok, c'est important parce que ça veut dire que ici, je suis sur les racines, en fait, hébraïques de la foi, ok, ça veut dire que nous possédons la porte de nos ennemis. Ça veut dire quoi ? Que nous recevons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. J'ai bien peur qu'on n'ait bien pas bien compris en fait le message depuis en fait 2000 ans. Oui. Absolument. C'est pour ça qu'on rappelle en fait justement ce qui était dit, mais on ne réalise pas ce que ça veut dire en réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien caler les choses. Et en fait, ici, c'est la promesse faite à Abraham depuis, en fin de compte, déjà, en fait, pas mal de temps. Ça veut dire que ça fait 4 millénaires, hein, déjà. Hein. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Okay. Donc, il n'y a pas d'autres bénédictions, d'autres théologies, etc., d'autres voies, effectivement, sur la terre que celle qui a été faite à Abraham. Comme je l'ai dit en fait hier dans Ésaïe, le prophète, il dit, Dieu dit, Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à sa voix. Non, ma voix. Ok ? Nous pouvons sentir spirituellement l'unité de cœur, d'âme et d'esprit entre Abraham, bien sûr, et Yeshua. Ils sont un. Ils sont devenus en fait érades, ils sont érades dans le plan de l'Éternel. D'autre part, la fin de ce verset dit « parce que tu as obéi à ma voix ». Ceci montre que cet ange de l'Éternel est comme Dieu, mais qui est comme Dieu? Il n'y a que Yeshua. Okay. Donc ça veut bien dire que de manière cachée, okay, si j'ai les yeux pour voir, tant mieux, je le vois. Yeshua, il est toujours, toujours, toujours présent auprès des hommes de foi, depuis le début. Ok? Et ça, c'est très important parce que c'est lui qui forme, qui façonne, qui instruit. Et c'est ça aussi que veut dire, en fait, le mot Christ. Christ, ce n'est pas seulement celui qui fait le sacrifice, non. C'est celui qui vient pour expliquer les Écritures avec grâce et vérité dans un langage compréhensible par tout le monde. Oui.
Oui. Cela veut dire que toutes les portes que nous avons, l'ennemi ne peut pas rentrer, ou on a, il ne peut rentrer que si, en fin de compte, on le laisse en fait entrer, par erreur. Mais ça veut dire que posséder les portes, ça veut dire qu'on est gardé. Donc quand on avait une ville, on mettait des gardiens effectivement aux portes et personne ne pouvait rentrer si en fait il n'était pas conforme à la loi de la ville. Donc on gardait en fin de compte comme cela les portes. D'accord? Oui, nos portes. Oui. Non, c'est la porte. Oui, c'est la porte. Voilà. C'est pour nous garder en fin de compte. Genèse 32, versets 24 à 30. Jacob avec l'ange de l'Éternel. C'est intéressant ce passage aussi. Jacob demeura seul. Alors un homme, Ish en hébreu, Ish ici, lutta avec lui jusqu'à l'aube, jusqu'au lever de l'aurore. Il luttait avec qui? Alors, en fait, ça veut dire que Jacob, il a lutté contre Jésus, contre Yeshua. Ok, le passage n'est pas facile à traduire, hein? Mais en fait, c'est ça. Qui était là? C'est Yeshua. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Bon, on se dit, comment Yeshua peut-il frapper? Bon. Voilà. Et surtout pas être vainqueur. Ok, enfin, ici. Voilà, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car tu ne m'es béni. Donc il sait en fin de compte que cet homme-là, ou cet ange-là, c'est quelqu'un qui est porteur d'une bénédiction extraordinaire. Et Jacob, c'est extraordinaire. C'est un homme de foi. Il marche par la foi. Il sait qu'il peut obtenir les bénédictions dès lors qu'il persévère, en dépit de toutes les circonstances. Okay? Il croit à la bénédiction de Dieu et il va toujours tout faire pour persévérer, etc., pour obtenir en fait la victoire. Okay? Ensuite, il nous est dit, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Yaakov. Il dit encore, ton nom ne sera plus Yaakov, car tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes mortels plutôt, et tu as été vainqueur. Okay. Est-ce qu'on peut lutter contre Dieu? Non. Pardon? Oui, mais on, ouais, mais pas lutter, combattre quoi. C'est pas dans ce sens-là. En fait, ici, ok, tu seras appelé Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, Israël? Hein? Oui, c'est le peuple de Dieu. Mais quand on décortique le mot Yisraël, Yishraël, oui, Ish c'est homme, Ra fort, El Dieu. Donc c'est homme fort devant Dieu. Homme fort, homme instruit devant Dieu. Homme façonné devant Dieu. D'accord? C'est-à-dire, merci Seigneur pour les épreuves. Parce qu'au travers de ça, il nous forme afin que nous soyons des hommes et femmes forts devant lui. C'est ça Israël. C'est un homme fort, spirituel devant Dieu. Spirituel, ça veut dire attaché à Dieu. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit, moi, en fait, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, un homme fort. Car tu as lutté avec Dieu. Bien sûr, il n'a pas lutté en fait comme ça, en fait, dans un combat de boxe, tout. On ne peut pas gagner comme ça, bien sûr. C'est pas ça que ça veut dire. Et avec des hommes mortels, et tu as été vainqueur. En réalité, si on creuse en fait les mots, il faut comprendre en fait derrière le sens caché en fait de ces mots. Tu as lutté, c'est Sarita. Sarita, ça vient de Sarah. Et c'est au cal accompli. Donc ici, c'est en fait dans une forme en fait verbale qui est accomplie. Mais ce mot-là veut dire lutter, persévérer, persister. Okay? C'est un mot qui existe, qui est assez rare. Il existe que dans deux versets. On le trouve dans Genèse ici, 32, 28, également dans Osée 12, 4. Mais ce mot-là, en fait, veut dire plutôt
comment dire, lutter, on ne va pas dire, quand on dit im Elohim, ça veut dire avec Dieu ou contre Dieu selon le contexte. Mais on ne va pas dire ici, il a lutté contre Dieu. Ça n'a pas de sens. Lutter avec Dieu, bon, est-ce qu'il a lutté avec Dieu ici? Ça n'a pas beaucoup de sens non plus dans notre langage. En fait, on est en train d'expliquer en fait ici qu'il a persévéré devant Dieu, okay, au point de ne pas douter, c'est-à-dire qu'il avait une foi déterminée pour vouloir prendre, saisir par la foi la bénédiction. Donc il a gagné en fin de compte dans les épreuves, il a montré qu'il était capable de lutter, de persévérer en face de Dieu et en face des hommes. C'est pour ça qu'il a été en fait considéré comme un vainqueur. Le sens est différent. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Im anashim, même chose ici, contre des hommes ou avec des hommes. Ok. Et ici, vatural, ça vient de yakol, c'est un inaccompli. Ça veut dire vaincre au sens d'être capable de gagner, d'endurer et d'accomplir. C'est-à-dire que les épreuves dans lesquelles il est passé, il a marché avec foi et détermination pour montrer qu'il était capable, en fait, d'être vainqueur par la foi. Amen. Merci Seigneur pour les épreuves. Ok, c'est bien ça. C'est pour que l'on puisse en fait être, ne jamais douter de ce que Dieu veut faire, qu'il a un plan de paix et d'amour pour nous. Et que si je marche par la foi dans cette espérance de la bénédiction, etc., que Dieu a pour moi, peu importe les épreuves, je dois pouvoir passer au travers, car Dieu est un Dieu bon et il n'a que bonté, bénédiction, récompense pour moi. Amen. Là, je suis un vainqueur. Amen. Oui. Ah, je ne sais pas, on lui posera la question. Hein. Oui, ok. Et que ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il a lutté contre lui-même parce qu'il il aurait une faiblesse de ce côté-là. Oui. Et pour continuer à aller plus loin avec Dieu, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ok. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Peut-être, il y a différentes interprétations. Bon, j'ai ma petite idée, mais ce n'est pas encore suffisamment formé là-dessus, etc. En fait, il faut creuser, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, une chose est certaine, par rapport à Jacob, c'est étudier la foi de Jacob, tout son périple, c'est extraordinaire, parce que ça nous apprend à marcher par la foi, quelles que soient les épreuves, et à passer outre, et croire que si nous traversons une épreuve, même une épreuve très difficile, ok, Dieu a posé sur nous quelque chose. Et si, en fin de compte, nous traversons des épreuves très difficiles, c'est parce que la récompense est encore plus grande. Amen. C'est fait pour tirer notre foi vers le haut. Okay. C'est pour ça que aussi David, dans certains psaumes, en parlant en fait de Jacob et du Dieu de Jacob, il ne va pas en fait dire le Dieu de Jacob, mais il va dire le puissant de Jacob. Amen. Parce qu'il avait très bien compris en fait cette dimension-là. Donc ici, ça c'est extraordinaire, c'est marcher par la foi, oui bien sûr. Donc il a été vainqueur, il a montré qu'il était capable. Donc quand tu as été vainqueur ici, c'est pour dire, j'ai vu et j'ai constaté que tu étais capable de vaincre dans toutes les épreuves, capable d'endurer et capable de passer au travers. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu veut notre mort? Il veut que des bonnes choses pour nous, non? Puisqu'il a donné son Fils unique déjà pour nous racheter. Ce n'est pas pour rien. Donc derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et il faut marcher en fait dans ça, dans cet objectif-là. 32, c'est à nous de le saisir par la foi. C'est ça. C'est à nous de le saisir par la foi. Genèse 32, 24 à 30. Jacob avec l'ange de l'Éternel.
Ici, en fait, Jacob l'interrogea en disant « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Péniel, ça veut dire quoi? Car il dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Comment peut-il dire « J'ai vu Dieu » Il a vu Yeshua, une représentation de Dieu, oui, bien sûr. Il l'a vu face à face, Péniel. Elle, c'est Dieu, Péni, c'est face à face, devant ma face. Ok, donc j'ai vu Dieu devant ma face. Ok, donc ça veut dire qu'il a vu Yeshua ici, face à face. Ok, et son âme a été sauvée. Ok, donc ça c'est le texte en hébreu. Donc panim al panim, donc c'est face à face ici, c'est bien ça. Ok, Jacob dit avoir vu Dieu, et pourtant ce passage dit au début que Jacob a vu un ange. En fait, le mot traduit par ange en hébreu, c'est le mot mala, qui veut aussi dire en fait envoyé. Okay. Ici, en l'occurrence, l'envoyé, c'est Yeshua, image du Dieu Tout-Puissant sur la terre. Donc, sur la terre, face à nous, l'intercesseur, le seul intercesseur et le seul médiateur entre nous et Dieu, c'est Yeshua. Hier, c'était Yeshua. Aujourd'hui, c'est Yeshua. C'est toujours Yeshua. Alors, quand on vous dit, en fin de compte, voilà, etc., vous allez recevoir, ou j'ai vu, en fin de compte, Jonas, etc., qui est apparu dans un rêve, ou ceci, ou j'ai vu Élie, en fin de compte, apparaître, ou j'ai vu ceci, ou j'ai vu cela. Ok. Peut-être. Mais ce n'est pas Yeshua. Ok. Donc, attention, parce que Satan, en fait, est un imitateur. Hein? C'est un ange de lumière. Donc, il va utiliser toutes sortes d'artifices. Ok, c'est spirituel, hein, on est d'accord, ça vient bien des cieux, etc., mais ça ne vient pas de Dieu. Ok, donc attention en fait à ça. Un autre ange? Oui, ben c'est pareil. C'est pas forcément de Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question, est-ce que ça vient bien de toi, Seigneur Yeshua? Ok. Voilà. Oui, par exemple, tout à fait. Voilà. Mais il faut être très sceptique dans les apparitions spirituelles, ou ce qu'on peut voir en rêve, etc., ou des choses comme cela, en vision ou autre, il faut être très prudent. Il y a un seul, depuis Abraham, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amen. Vous l'appelez la parole de Dieu, vous l'appelez Melchizedek, il n'y a pas de souci, etc. L'ange de Elohim, comme vous voulez, etc. Ça, ce n'est pas grave. Mais il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Yeshua. Amen. Il faut bien prendre conscience de ça. Genèse 48, Jacob parle de l'ange qui m'a délivré de tout mal. Hein? Quel est cet ange? Oui, Jacob, il connaissait Yeshua. Il le dit là. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc, Jacob, il est là, hein, il est à la fin de sa vie, il est là, et puis en fait, en face de lui, apparaît en fait Yosef, qui vient avec ses deux fils, Manassé en fait de ce côté-là, Éphraïm de ce côté-là, ok, donc il avance comme ça avec en fait ses deux fils, ok, vers Jacob. Jacob, en fait, il est là, donc il a en fait Manassé à sa main droite, okay, et Éphraïm à sa main gauche. Mais Dieu lui dit, non, tu ne poses pas tes mains comme ça, tu poses tes mains comme ça. Ta main droite sur Éphraïm, et ta main gauche sur Manassé. Est-ce que Dieu aimait moins en fait Manassé que Éphraïm? Non. En fait, il va expliquer, en fait, Joseph, il ne comprend pas en fait au début. Ok, donc il va le reprendre. Il va dire, non pas comme ça. Il bénit Yosef et dit, que à Elohim. Mais regardez ce qu'il dit en fait ici. Que à Elohim, dans le texte en fait en hébreu, ce n'est pas Dieu tout court, c'est à Elohim ici. Le seul Dieu unique et vrai, et non pas Dieu simplement. Donc il bénit Yosef et il dit, que à Elohim, en présence duquel on marchait, mes pères, il cite Abraham et Yitzhak, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, okay,
que l'ange qui m'a délivré de tout mal, donc il parle du seul Dieu unique et vrai, et il parle en fait ici de l'ange qui m'a délivré de tout mal. C'est bien ça qui est écrit? Bénisse ses enfants. Qui est cet ange qui l'a délivré de tout mal? Il n'y a aucun ange, créature, qui peut délivrer du mal quelqu'un. Absolument. Donc on est en train de parler de qui là? De Yeshua. Ok? Et il dit bien en fait ici, donc il a cette connaissance-là qui vient d'Abraham, qui vient de Yitzhak. Lui, il l'a vécu toute sa vie. Et il dit en fin de compte que « Ah Elohim bénisse ses enfants et que l'ange pardon, qui m'a gardé de tout mal bénisse ses enfants. » C'est-à-dire que Yeshua continue de bénir ses enfants, etc. à la gloire de Dieu. Bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Yitzhak, et qu'ils multiplient en abondance au pays, au milieu du pays. Ok? L'expression, en fait, ici, l'ange qui m'a délivré de tout mal, c'est le verbe Gaal. Gaal, qui est conjugué au Kal, ça veut dire, en fait, une action qui se fait. Inaccompli, ça veut dire qui dure dans le temps. Et ça veut dire, en fait, acheter, racheter. Quel est l'ange qui rachète? L'ange qui m'a racheté de tout mal. En fait, on peut traduire ici cette expression en disant que l'ange qui m'a délivré de tout mal, c'est l'ange qui m'a racheté de tout mal, ou encore l'ange rédempteur. Ce verbe, ici, dans le cas existe dans 44 versets, parle systématiquement de rachat et de rédemption. Quand on parle du sauveur, c'est ce mot-là qui est utilisé en fait en hébreu, c'est Gaal. Amen. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté. Nos pères, les pères que Dieu nous a donnés dans la foi, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef aussi, il entend, ses fils Ephraïm, Manassé, ils entendent. Vous croyez qu'ils n'ont pas transmis l'information aux descendants? Bien sûr. Ok? C'est toujours, toujours, en fin de compte, comme cela. Ce qui veut dire que depuis Abraham, il y a toujours eu des consacrés. Pas toujours consacrants. Voilà. Ils ont transmis. Ok? C'est très important de bien comprendre ça jusqu'à la venue de Yeshua. Il y a toujours eu des nazoréens, si je puis dire, ou des consacrés. Bon, plus ou moins consacrants, ça dépend des gens, ok, des personnalités, mais des gens choisis, des gens en fait à part, en fin de compte, et la foi, en fait, est de ce, comme cela, au travers des générations, ok, jusqu'à Yeshua qui vient accomplir. Ok. Ils sont très doués pour trouver des pirouettes. Ok. Je voudrais juste, en fait, aussi aller dans Genèse, Genèse chapitre 49. Voilà. Là, en fait, Yaakov fait la bénédiction sur Manassé et Ephraïm. Le chapitre suivant, en fait, Yaakov donne la bénédiction sur tous ses enfants. Ok, et il arrive en fait à la tribu de Yosef, au verset en fait ici, voilà, au verset 24, au verset 22. Yosef est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ok, quelle est cette source? Yeshua bien sûr. Ses branches s'élèvent au-dessus des murailles. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Des archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Sa foi est demeurée ferme. Okay? Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Yaakov. Il était devenu berger, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, des bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des arts des antiques collines. Qu'elle soit sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête, c'est écrit, de la tête du prince de ses frères. Ok? Ce n'est pas ce que dit le texte hébreu.
ici, sur le sommet, le texte hébreu dit, sur le sommet de celui qui est à part de ses frères, qui est le nézir. Ici, c'est le mot nézir, N-E-Z-I-R. Dedans, vous voyez N-Z-R. C'est les mêmes racines que nazoréen, c'est-à-dire des consacrés, de ceux qui sont à part. Okay? C'est pour ça qu'ici, je ne peux pas dire prince de ses frères. C'est vrai qu'il était plus noble que ses autres frères. Okay? Il marchait par la foi, c'est lui qui a la bénédiction. On est d'accord? Parmi les 12 frères, c'est lui effectivement qui est à part de ses frères. Il est le prince, on peut dire. Mais le mot, c'est nézir, c'est-à-dire le consacré de ses frères. Ou celui qui est séparé de ses frères. Ok? Donc on voit bien en fait ici que c'est bien une mise à part. Donc comment je peux être séparé de toutes les choses du monde, des interprétations, des ceci, des cela? Ok? Je n'ai pas 36 solutions. Je viens ici sur les racines hébraïques de la foi, dans la foi d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Yosef, etc., et de tous les descendants qui sont en fait à part en fait des choses de ce monde, etc. Amen. On continue Genèse 48. Genèse 48, versets 14 à 19. Yosef vit avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Ok. Et Yosef dit à son père, « Non, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Ok. Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. » Oui, bien sûr, un peuple, lui sera aussi grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob passe par Yosef, mais va sur Éphraïm pour toutes les nations. C'est une ouverture vers toutes les nations. C'est-à-dire toutes les nations, quand elles sont rachetées au travers de Christ, en fait, elles sont rattachées à la tribu d'Éphraïm. Amen, tout simplement. C'est pour ça qu'Éphraïm fait partie à part entière. En fait, c'est un peuple, pourtant, Éphraïm et Manassé, okay, ils ne sont pas de mère juive. Hein? C'est une mère égyptienne. Ok. Donc, selon la tradition juive, eh bien, normalement, ils ne sont pas juifs. Pas selon la tradition, mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était par le père, c'était pas par la mère. Oui, mais les rabbins, ils disent quand même que c'est par la mère, même avant. Mais bon, ce sont l'héritage, c'est toujours par le père, en fait, dans la Bible. OK? Après, dans certaines situations particulières, ça peut être par la mère, effectivement. OK? C'est effectivement le cas quand il n'y a pas d'héritage par le père, ça passe par la mère ou par la fille. Donc ici, en fait, il y a une multitude de nations qui sont greffées sur Éphraïm. Éphraïm et Manassé, leur mère n'est pas juive, mais ils vont devenir une tribu à part entière comme les autres. Parce que Jacob a dit, ils seront, tes fils seront, en fait, comme mes autres fils, ils deviendront une tribu à part entière. Ils sont adoptés. Est-ce que ça pose un problème pour Dieu d'adopter? Non. Ils ont les mêmes droits, la même bénédiction que les autres. Okay, à ce niveau-là. C'est une question de cœur. La différence, c'est une question de cœur. C'est tout. Donc, toutes les nations, en fait, ici, sont greffées sur Éphraïm, bien évidemment. Voilà pourquoi il deviendra plus grand. Voilà pourquoi la main droite, en fait, est sur Éphraïm et non pas sur Manassé, à cause de cette bénédiction qui s'en va largement. La bénédiction sur Juda. En fait, dans Genèse 49, il est dit ici, le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda, de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui c'est le Shiloh? Yeshua. Eh oui. Donc Shiloh et que les peuples lui obéissent. Est-ce que vous voyez en fait aujourd'hui que les peuples sont prêts à obéir en fait à Yeshua et à se soumettre à lui? Ok. Ce n'est pas apparemment le cas. Mais est-ce que c'est une réalité? Oui, parce que c'est écrit dans les lieux célestes. Juda deviendra la principale tribu après la dispersion des 10 tribus en fait, du Nord, okay, en 722 avant l'ère chrétienne, assurant la continuité du règne de Yehuda. Donc le sceptre a été donné à Yehuda, okay, à Juda. Donc c'est effectivement le cas en fait, ici.
Et cela va continuer. Lors de l'exil, en fait, à Babylone, en 586, avant l'ère chrétienne, Yehuda a gardé son sceptre et a continué à exercer son rôle souverain sur la terre d'Israël. Okay. Les mages d'Orient ont vu son étoile venir dans le ciel. Oui. Donc, ils ont vu, en fin de compte, ici, ce sceptre et cette étoile, en fait, ici. Okay. On verra le verset la fois prochaine. Okay. Les mages d'Orient ont vu son étoile venir dans le ciel. À la destruction de Jérusalem et du Temple, la souveraineté de Juda continue. Elle continue comment? Au travers de Yeshua. Il est appelé le roi des Juifs, le roi de Yehuda. L'Éternel l'a oint pour être le roi des rois. Psaume 2, versets 6 à 7. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Tu es mon fils. Amen. Donc ici, c'est très important parce que cela veut dire que Dieu, en fait, a oint son fils comme roi des rois, seigneur des seigneurs, roi de Juda, en fait. Et ici, il a bien un fils, c'est bien marqué, en fait, ici. Il y a d'autres versets qui le disent. Donc, Dieu est un fils, ça ne pose pas de problème dans la pensée, en fait, hébraïque. OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, en fin de compte, parler avec la parole, bien évidemment. Donc, le sceptre, il a été donné à Juda, bien sûr. Donc, c'est pour ça que sur la croix, il était marqué, en fait, Yeshua à Mashiach, OK, Meler à Yehudim, c'est-à-dire roi des Juifs. Amen. Parce que c'est l'héritage des promesses. Et ça ne changera rien. Donc, Yeshua, il est venu, il est ressuscité, OK, il est resté 50 jours, 40 jours, il est monté, en fait, au ciel, il est à la droite du Père, mais c'est lui le roi. Amen. Mais la royauté, elle est suspendue pendant 2000 ans. C'est-à-dire qu'Israël n'a plus de roi pendant 2000 ans, parce que c'est le temps des nations. C'est le temps des nations d'évangéliser. Israël n'a pas fait son travail, en fait, avant. Donc, Dieu donne le bâton, je vais dire, de l'évangélisation aux nations pour que les nations fassent le travail qu'Israël n'a pas fait, en fait, avant. OK? Et au bout de 2000 ans, ben, on voit ce qui s'est passé, etc. Israël n'a failli à son travail. OK? Est-ce que les nations ont réussi, en fait, la mission de Dieu? Okay. On voit clairement qu'en développant en fait une théologie à part, etc., on n'est pas sur les racines et la continuité en fait à Abraham. Donc il y a un grand décalage. Dieu va juger tout ça. C'est pour ça que la bénédiction ne peut pas continuer systématiquement dans les assemblées telles qu'elles étaient. Et Dieu ne rappelle qu'une seule chose. Sortez de Babylone et venez sur la promesse faite à Abraham. Amen. Il n'y a que là qu'est la vérité. Et donc, le roi va revenir, bien sûr, Yeshua va revenir une deuxième fois, mais pour le moment, en fait, Israël se trouve là et n'a pas de roi. C'est pour ça qu'il est dispersé un peu partout. Et ce n'est pas le temps d'Israël, c'est le temps des nations. Tant que le temps des nations n'est pas achevé, en fait, il y a beaucoup de choses chez les Juifs. Le voile ne va jamais être retiré. Il y a déjà le Saint-Esprit qui travaille quand même un certain nombre de personnes, qui les suscite. Donc, c'est pour ça que vous avez des Juifs qui sont réveillés, en fait, un peu. C'est pour préparer, en fait, le terrain, etc., de ce qui va venir. Amen. Mais il n'y a pas 36 solutions. Normalement, tout Juif messianique devrait comprendre, en fait, ça. Okay, et devrait comprendre qu'il faut être là. Pas là, ni là. Donc, quand on voit des Juifs messianiques qui sont plus rabbiniques que des rabbins, ou, en fin de compte, des Juifs messianiques qui sont plus pentecôtistes que des pentecôtistes, mes frères et sœurs, mais on est à côté de la plaque. Il faut qu'il soit là, sur les promesses faites à Abraham, sur les racines hébraïques de la foi. Amen. C'est ça qui est important. Sinon, on va tous manquer, en fait, le but. OK? C'est pour ça que Dieu n'est pas content, en fait, aussi. Dieu est en colère. Oui, Dieu est en colère parce que tout est accompli depuis 2000 ans, etc. Même pour les Juifs messianiques aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nous disons et comment nous le faisons. Il n'y a pas 36 solutions. On doit vraiment faire attention à l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture dit? OK? Si l'Écriture dit ça, OK, je fais ça. J'apprends à obéir comme un enfant. C'est tout. Même si je ne comprends pas tout, mais je viens là où Dieu veut. Amen? Très important. Parce que ça va chauffer. Exode. Nous avons fini Bereshit. On aborde l'Exode? Et je fais une petite pause dans un quart d'heure, 20 minutes. Ça vous va?
Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, Jétro, son père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Ha-Elohim. Le texte en fait hébreu nous dit Ha-Elohim, c'est-à-dire la montagne du seul Dieu unique et vrai ici, à Roreva, à Horev. Ok. Texte en fait en hébreu, j'ai bien en fait ici Ha-Elohim, vous pouvez vérifier ici, j'ai donc Elohim et Ha-Elohim, l'article devant. Ok. Donc Roreva, je passe dessus. L'ange de l'Éternel. Ici, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Ah, qui c'est cet ange de l'Éternel ou cet envoyé? Ok, là on va savoir, en fait c'est Yeshua. Ok. Donc ici, l'ange de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moshe regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ok, super. Ici apparaît l'ange de l'Éternel. Ok, on te dit l'ange de l'Éternel ici. Ok. Et la montagne de Dieu. Oui. Il l'appelait comme ça lui ou c'est donné dans la Bible? Non, c'est donné dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. C'est la montagne de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est pas là où il y avait Dieu le sacrifice? Non. Non, là c'est la montagne du Sinaï. Moshe dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Waouh! L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc déjà ici, on voit que c'est Dieu maintenant qui l'appela du milieu du buisson. Ok? On dit ici l'ange de l'Éternel, mais c'est un ange éternel qui est aussi Dieu. Bon, donc déjà on sait que c'est Yeshua. L'appela du milieu du buisson. Ok? Et dit, Moshe, Moshe. Et il répondit, me voici, Ineni. Ok. Et cet ange était Dieu. Bon, si cet ange était Dieu, ça peut être que Yeshua. Un ange qui est l'égal de Dieu, ça ne peut être que Yeshua. Ok. Évidemment. Ou l'image de Dieu, ça ne peut être que Yeshua. Alors voyons ce qu'il va dire. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il dit ici, il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. » Ok? Donc il dit clairement cet ange, il se présente, cet envoyé. Ok? Il se présente. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. » Moshe se cacha le visage, car il craignait de regarder à Elohim. Le seul Dieu unique et vrai. Ici, j'ai bien en fait ici l'expression à Elohim dans le texte. Donc on voit bien qu'on a affaire en fait ici à quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. L'ange de l'Éternel dans le buisson, c'est Yeshua. Il se révèle à Moshe comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, c'est-à-dire le Dieu des vivants, ou encore le Dieu de la résurrection. Oui, bien sûr, c'est bien là ce que veut dire cette appellation. Chaque fois que je dis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, cela parle automatiquement du Dieu des vivants et du Dieu de la résurrection. Dieu qui donne la vie, qui redonne la vie, en fin de compte, dès lors qu'il y a un soupçon de vie, un lumignon qui fume, okay, Dieu est là pour raviver la flamme. Amen. Jamais l'éteindre. Jamais l'éteindre. Yeshua confirme cette appellation dans Matthieu. Matthieu chapitre 22, versets 31 à 32. Il dit ici, parce qu'il est, parce, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Ha-Elohim vous a dit, Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Ha-Elohim n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Donc, dans la Brit Hadasha, ici, sur la pensée hébraïque, on s'est dit, en fait, tel verset, c'est à Elohim, et non pas Elohim tout court. Okay? Donc, dans nos traductions que nous faisons pour nos frères juifs sur la pensée hébraïque, okay, c'est bien marqué, en fait, à Elohim. Amen. Le seul Dieu unique et vrai. Donc, lorsque je suis racheté, en fait, par le sang de Christ, okay, je suis destiné à devenir un fils et une fille de Dieu. Amen. Mais quel Dieu?
pas n'importe quel Dieu, du seul Dieu unique et vrai. Donc un fils et une fille de Elohim. Amen. Ça recale les choses. Donc, au-delà, toutes les interprétations faites à droite et à gauche, okay, on s'ancre sur les racines pour marcher en fait dans la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Amen. On continue. Luc 20. On va continuer un quart d'heure encore. Luc 20, versets 34 à 40. Yeshua leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, qu'ils seront fils de Elohim ici, étant fils de la résurrection. Okay. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moshe a fait connaître dans quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, et le Dieu de Yaakov. On est bien dans la même dimension ici. Or, Elohim n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Et il va dire, quelques-uns des scribes, prenant la parole, dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et il ne nous est plus, lui, posé aucune question. Amen. Jean, chapitre 11, versets 25 à 27. Yeshua lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit ou croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Machiav, ou le Christ plutôt, ici, le Ben à Elohim, le Fils du seul Dieu unique et vrai. » Ben, ça veut dire « Fils ». Et ici, pas n'importe quel fils, c'est le fils du seul Dieu unique et vrai, à Elohim, qui devait venir dans le monde. Okay. Dans Actes, chapitre 7, versets 30 à 34, même chose ici, c'est Étienne qui parle. Ils parlent tous d'un même langage, okay, de la même manière, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que nous devons parler de la même manière en fait aussi. Actes chapitre 7, versets 30 à 34. Étienne raconte Moshe et dit, okay, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Okay. Un ange lui a pas apparu à Moshe ici. Okay. Moshe, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Okay. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob. Et Moshe, tout tremblant, n'osait regarder. Et il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et de Jacob. Ok, je ne sais pas comment j'ai répété ça, c'est pas grave. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Okay. » Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Aujourd'hui, c'est la même chose. Que l'on dise en fait ensuite dans Exode 3, Verset 13-14, Moshe, après quelques réticences, obéit à Dieu. Moshe dit au seul Dieu unique et vrai, ici, dit à Elohim, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, Elohim ici. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Ici, c'est très intéressant, vous allez voir. On fera la pause après. Exode 3-13. Ok. Donc ici, Moshe parla à Elohim. J'ai bien l'expression « à Elohim » ici, et non pas « Elohim » tout court. Ok. Ça, c'est en phonétique. Donc, je passe. Donc ici, il va dire « Dieu dit à Moshe, je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Ça, c'est magnifique. C'est un nom glorieux.
C'est un nom tellement glorieux qu'au temps de Yeshua, tout le monde connaissait ça. C'est un nom prestigieux qui n'est utilisé que là. Et effectivement, Yeshua va l'utiliser. Okay, on va voir. Exode 3,14. Donc ici, Elohim, bien sûr, en fait, Elohim parla à Moshe, bien sûr, et il dit en fait ici, je suis celui qui suit, Eheye, Asher, Eheye. Ici, je suis, c'est Eheye, on va le mettre en phonétique. Donc ici, Eheye, Asher, Eheye, ce sont des futurs, ok, en réalité, littéralement, c'est un futur, c'est je serai celui qui sera, en fait, ici, ou que je serai, aussi, tout simplement. C'est un futur. Mais en français, en fait, on ne sait pas trop traduire ça. Ici, « Eheye », ça veut dire « je serai ». Mais en fait, quand il dit, c'est « je serai », mais en français, en fait, on a le futur proche. Et le futur proche, c'est dire « je suis ». À partir du moment où je parle, en fait, « je serai avec toi », c'est-à-dire que « je suis ». « Je suis là ». OK ? Donc, le français, le futur proche, est bien. Donc, on peut traduire, en fait, par « je suis ». Tout à fait, c'est bien. Ici, pour une fois que ça colle bien en français. Voyons ce que dit Yeshua dans Yohanan, chapitre 18, je crois. Ainsi, nous retrouvons dans Yohanan, chapitre 18, versets 4 et 6, cette appellation, bien sûr. Donc, Yeshua qui est apparu hier, qui a dit « je suis », en fait, il va dire la même chose ici, alors qu'il va être offert en sacrifice. Yeshua, sachant que tout ce qui devait lui arriver, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ok. Et ils lui répondirent, « Yeshua le Nazoréen. » Ils ne disent pas Jésus de Nazareth, non. Yeshua le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Nazoréen au temps de Yeshua. De la servante à Ponce Pilate. Ok. Il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas. Ok. Tout le monde à l'époque sait, un Nazoréen, c'est un consacré consacrant. Ok ? Et pourquoi en fait on ne le sait pas ici ? Parce qu'on nous a caché la vérité, tout simplement. Ok ? C'est un Nazoréen. C'est la même chose que Nézir tout à l'heure avec Yosef. C'est la même racine, les gens à part, les gens consacrés. Et à l'époque, je peux vous dire qu'en fait on voyait tout de suite, entre les pharisiens, les scribes, les esséniens, les zélotes, etc., qui étaient un nazoréen. C'était des gens, en fin de compte, ils étaient lumière. Amen. Ça brillait. Lui, c'est un nazoréen. Okay. Tout le monde savait ce que c'est qu'un nazoréen. Donc, ils lui répondirent, « Yeshua le nazoréen, etc. » Yeshua leur dit, « Je suis. Okay. » Mais ici, il a dit « egoémi ». Il n'a pas dit « egoémi ». Nous, on a dans notre traduction grecque « egoémi ». Bon, ça veut dire « je suis » en fait en grec. Mais ça peut dire aussi « je suis » comme « je suis ». Mais ça ne veut pas forcément dire le nom en fait hébreu. Mais ici, il a dit le nom hébreu. Ça a été traduit en fait en grec après. Okay? Mais ça cache en fait quelque chose de très important. C'est qu'ici, il a dit « eheye ». Il n'a pas dit « egoémi » en grec. Il a dit « eheye ». Comment on le sait ? Parce que Eheye, c'est un nom glorieux, c'est un nom consacré. Personne ne peut l'utiliser en fin de compte comme ça. Okay ? Et lui va l'utiliser, et vous allez voir. Et Yehuda qui le livrait était avec eux. Alors, lorsque Yeshua leur dit, je suis, pas Egoémi, il leur a dit Eheye. Eheye, c'est le nom qui est apparu dans le buisson ardent. Amen. C'est là qu'il a dit Eheye. Alors, à ce moment-là, ils ont tellement été effrayés, ils reculèrent et tombèrent par terre. Comment se fait-il qu'ils reculent et tombent par terre parce qu'il dit « je suis » ? Ce n'est pas parce que « je suis », c'est dit parce qu'il a dit « Eheye ». Je suis celui qui est apparu à Moshe dans le buisson ardent. Amen. Okay. C'est pour ça qu'ils étaient effrayés ici. Ils reculèrent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ils tombèrent par terre ici. Donc, c'est bien ici un signe qu'il a dit autre chose que les mots grecs « egoémi » en fait ici, parce que ça les a impressionnés.
Christ Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, bien sûr, quand il apparaît en fait dans le buisson ardent, il était le même. Il est le même en fait au temps, au fait où il est apparu en fait ici, bien sûr, pour s'offrir. Est-ce qu'il est toujours le même? Exactement, il n'a pas changé. Amen. Moi, je veux ce Yeshua-là. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons ce Yeshua-là. De même, dans Marcos, Marc chapitre 14, verset 62, Yeshua répondit, « Je suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant en fait sur les nuées du ciel. » Je suis en fait ici, c'est Eeyé en fait aussi qu'il a probablement et très certainement dit en fait aussi à ses disciples en fait ici. Oui, tout à fait. Yeshua n'a jamais dit « je le suis », en fait, parce qu'il ne dit jamais « je le suis ». L'expression, en fait, ici, traduite en français, « je le suis », dans le grec, c'est le mot « le » n'existe pas. La traduction dit, grec, dit « ego emi », »,« ego je »,« emi suis », ce qui veut dire littéralement « je suis ». C'est ici une allusion directe au mot hébreu « Eeyé », que l'on traduit usuellement par « je suis ». En réalité, le verbe hébreu « Eeyé » est un futur et pourrait être traduit par « je serai ». Cela confirme que Yeshua est bien celui qui est apparu à Moshé dans le buisson et celui qui est envoyé par l'Éternel lui-même pour être toujours, toujours là. Amen. Alors, est-ce que ce Christ Yeshua auquel nous donnons notre cœur et notre vie, est-ce qu'il est « Eeyé » pour nous, celui qui est ? S'il est celui qui est, de quoi ai-je peur? Amen. Il a promis qu'il serait « je suis ». Il a promis qu'il serait « Eeyé », alors il accomplit. Il dit ce qu'il fait. Amen. Si nous retrouvions les textes originaux en hébreu, nous aurions très certainement cette confirmation, mais celle-ci reste cachée à la plupart des croyants en Yeshua, afin d'éviter de montrer qu'Abraham, Moshé et tous les autres étaient instruits dans la connaissance du Mashiach à venir. Oui, bien sûr. Il en est de même pour les autres versets des évangiles, où l'on parle en fait du « je suis ». Ici, tous dirent « tu es donc le Fils de Dieu ». Et il répondit, et il leur répondit « vous le dites ». Ici, en fait, dans nos traductions, c'est marqué « je le suis », mais le mot « le » n'existe pas dans le texte grec. C'est des mots qui sont rajoutés. Donc, il dit « je suis », ok, « Eeyé » ici. C'est pour ça qu'on lui saute dessus. On devrait traduire, en fait, en disant « tous dire, tu es donc le Ben à Elohim », c'est-à-dire le fils du seul Dieu unique et vrai. Pourquoi? Parce que, en fait, les sacrificateurs de l'époque, ils connaissent très bien les Écritures, ils savent très bien ce que ça veut dire, en fait, Elohim et à Elohim. Donc, quand on dit le fils du seul Dieu unique et vrai, c'est bien la question qu'il pose, en réalité. Es-tu celui-là? Ok? Et qu'est-ce qu'il va répondre? Eh bien, il va répondre « Eeyé », le mot, en fin de compte, qu'il a donné dans le buisson ardent. Okay. « Je suis » et non pas « je le suis », tout simplement. Mot que l'on rajoute, qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse? Quand on rajoute des mots ou on supprime des mots? Ok. Voilà. Exactement. Si ce n'était pas quelque chose de grave. Oui, exactement. Tout à fait. Ok, Jean chapitre 4. Eh bien, je vais m'arrêter là, parce que je verrai ça, en fait, après. Donc, on va faire une petite pause. Ok. Alors, tu sais, on a l'impression que le cœur, comment? On a l'impression qu'à l'intérieur, ça peut... Ok, merci, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons grâce dans le précieux nom des choix. Mais que ta parole, Seigneur, pénètre dans chacun de nos cœurs et y soit plantée, comme toi, tu le veux. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, Seigneur, où il trouve un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse être planté profondément. Oui, Seigneur, produire les racines que toi tu veux. Oui, et bouleverse, chancelle tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua. Afin que tu nous formes et nous façonnes comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Amen.